Uniform Q 901, ground, bottom 705, looking. Bottom 705, KLM 83, Foxtrot, dank u wel, fijne avond. Ochtend. Ja, hetzelfde. Bonjour à tous et à toutes les amis simmeurs et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser sur les liners et autres avions de plus petite taille, comme par exemple le Rotate MD-80, le steering tiller, le système steering tiller qui permet de faire votre roulage. A savoir que beaucoup de simmeurs utilisent par défaut le palonnier pour tourner de droite à gauche. Il faut savoir que ce n'est pas du tout réaliste parce que généralement les pilotes utilisent le petit volant qu'il y a ici à gauche, le petit volant qui permet de faire tourner la roue avant de l'avion pour pouvoir se déplacer sur l'aéroport. Alors pour ça, je vais vous montrer sur le Toolis comment ça fonctionne, et ça fonctionne à peu près pareil sur tous les avions, sauf que vous n'aurez pas certaines options du Toolis, mais ça fonctionnera, j'ai testé ça. Alors pour ça, déjà vous allez dans réglages ici, donc moi j'utilise un OTAS Warthog hein, comme système de commande, et je vais attribuer le steering tiller ici sur l'axe numéro 1. Alors il faut que vous le mettiez absolument sur un axe. Donc là on va ouvrir le menu déroulant et on va aller ici sur tiller, steering tiller, c'est ici, elevator trim, nose wheel tiller, voilà. Nose wheel tiller, vous le cochez, vous vérifiez que ça fonctionne bien. Alors, moi, j'ai utilisé cet axe-là parce qu'en fait, quand il est au milieu, il y a un cran qui permet de dire que je suis bien centré au milieu. Comme vous le voyez, je ne galère pas pour revenir en position centrale. Et je vais faire OK. Alors, si je regarde ici, vous voyez, ça fonctionne. J'ai ma petite, le petit volant en fait qui tourne. Hein. Donc maintenant, je vais faire apparaître la fenêtre du Toolis. Alors moi, je l'ai mis en raccourci sur ma manette, donc sur mon throttle. Donc c'est pour ça que ça apparaît. Ou sinon, vous allez sur Plugin Toolis et vous faites Open ISCS Screen. Voilà. Donc là, on vous dit que le tiller est bien assigné. Ou sinon, vous aurez marqué non, et là vous centrez votre axe hein, comme vous le souhaitez, et vous faites center to current position tiller. Hop, je le centre et je fais save setting, et je peux fermer ma fenêtre à partir de maintenant. Ce sera le steering tiller qui sera prioritaire pour tourner sur l'aéroport. D'ailleurs, je vais vous montrer, on va aller en vue extérieure, et là je vais tourner à nouveau avec mon palonnier. Vous voyez, j'ai un tout petit débattement. Et là, je vais utiliser l'axe que j'ai attribué pour le tiller. Donc là, je tourne à droite, je le recentre et je tourne à gauche. Donc vous voyez, pour le coup, votre palonnier n'aura plus d'efficacité. Alors faites attention, au début c'est surprenant. Quand on a l'habitude d'utiliser le palonnier justement pour tourner, ben d'un coup on se demande pourquoi l'avion ne tourne pas. C'est simplement que vous l'aurez attribué sur votre axe. Et pour le coup, maintenant, le roulage va être beaucoup plus réaliste. On va faire un petit roulage de 1 minute, histoire de voir si ça fonctionne bien. Et je vais tourner avec le volant. Voilà, comme ça, je fais rouler mon avion avec l'axe que je viens d'assigner. Les amis simmeurs et pilotes furaxiens et furaxiennes, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous rendra service, que ça améliorera votre simulation. N'hésitez pas, bien sûr, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas toujours, et également à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les notifs des lives et des vidéos à venir. Vous pouvez également me suivre sur ma chaîne Twitch Furaxien Furax84_simulation. Les amis simmeurs et pilotes furaxiens et furaxiennes, une seule chose à vous dire, prenez soin de vous, fly safe, bye bye et à bientôt. Ciao ciao.